C'est un plateau volcanique immense, vieux de 8 millions d'années, niché entre les monts d'Or et les monts du Cantal, le Cézallier. Je vous emmène à la découverte de cet océan vert, de ces steppes qui lui valent le surnom de Petite Mongolie. Ici, une ancienne calotte glaciaire a semé lacs, cascades, tourbières et aplani les reliefs. C'est en tout cas un de ces endroits devenus rares où l'on peut se sentir seul dans un abîme de verdure à 360 degrés. Vu du ciel, il n'y a que des pâturages et sillonnant au milieu cette ligne de chemin de fer. Mise en service en 1908, c'est elle qui va nous conduire au cœur de ces paysages. Arnaud, c'est avec ses vélos, un drôle de type qu'on va aller découvrir ses alliés. C'est ça. Donc du coup, le vélo rail. Donc ceux-là, ils sont un petit peu particuliers, il y a des assistances électriques. Parfait. Donc là, voilà, l'effort sera moindre et le plaisir plus accentué. Arnaud connaît cette ligne comme sa poche. Avec ses deux frères, il a repris l'activité du vélo rail il y a 3 saisons. Il sera notre guide pour cette escapade. Toutes ces fleurs jaunes, là, du coup, tu vois, c'est rempli de gentianes, les champs, là, en ce moment. Peut-être aller la voir d'un peu plus près. Descendons, ben oui. C'est avec ça, donc pas avec la fleur, d'accord, mais avec la racine, qu'on fait la fameuse liqueur. D'accord, donc ce qui est avèse, gentiane, voilà. C'est vraiment la plante typique des monts du Cantal? Oui, c'est ça. Quand il faut faire les alcools, du coup, ils viennent beaucoup, là, sur le plateau du Cézallier pour la ramasser. Ici, comme vous voyez, encore une fois, voilà, il y en a... Partout. Il y en a partout, partout, donc oui, c'est vraiment la plante typique d'ici. Le jaune de la gentiane, par touche délicate. Plus loin, le gris des losses des burons et l'acajou des vaches salaires. Car le plateau du Cézallier est depuis toujours une terre de transhumance. Jusque dans les années 70, les animaux y arrivaient par milliers en train. Les vaches, on continue à en apercevoir un peu partout. Ouais, donc là, c'est la grosse période estivale, donc de fin mai jusqu'à fin octobre à peu près. C'est en fonction de la météo un petit peu, mais la grosse période, c'est ça. Et là, du coup, c'est vraiment le plateau du Cézallier, le pays des estives. Donc, voilà, des vaches, il y en a. Vous allez voir, là, sur tout le parcours, il y en aura des centaines et des centaines dans les champs aux alentours. Et quelques moutons. Et quelques moutons aussi, ouais, sans les oublier. Au rythme lent du vélo rail, l'immensité verte qui nous entoure donnerait presque le sentiment d'un vertige à l'horizontale. C'est vraiment un endroit, là, cette partie du Cézallier, où on pourrait marcher des jours sans croiser personne si on en avait envie. C'est ça. C'est tellement étendu, tellement vaste qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de monde. À l'année, il y a à peu près 7 habitants au kilomètre carré sur le Cézallier. Mais après, voilà, ça reste préservé, magnifique, et pour se ressourcer, rien de tel. Pour terminer la balade, Arnaud a choisi un de ces endroits fabuleux dont le Cézallier a le secret. Là, on est assez tranquille, du coup, personne. Un petit bol d'air là pour manger un bon petit pique-nique. C'est un endroit qui est prisé, ça? C'est un petit peu prisé. Après, voilà, des endroits comme ça, il y en a dans le Cézallier, il y en a des dizaines. Donc, il y a de quoi faire, des belles cascades comme ça, des lacs, etc. Il y a de quoi faire. Des petits trésors comme cette cascade, je vous propose d'en découvrir un autre à seulement quelques kilomètres d'ici. Protégé du bruit du monde, un monastère orthodoxe dresse ses coupoles dorées dans le ciel du Cézallier. Caché au sommet de cette colline, le monastère orthodoxe Znamenié apparaît comme un mirage. Nous y sommes accueillis par sœur Xenia, l'une des simoniales installées ici il y a plus de 40 ans par leur père spirituel Barsanuf. Il voulait que ce soit un endroit isolé, propice à la vie monastique, un peu comme le désert. Et donc, il a cherché un peu partout en France. Et ici, on a été très bien accueillis. Voilà, le maire a fait tout ce qu'il a pu pour nous trouver un endroit. Et donc, on s'est installé ici. Seule, elle transforme cette ferme abandonnée en monastère, allant même jusqu'à peindre la coupole de l'église. Tout aussi étonnant, entre matines et vêpres, chantées en slavon liturgique, sœur Xenia nous fait découvrir l'une des activités démoniales. C'est du hêtre qui est tourné en forme d'œuf, du bois plein. Donc on ponce le bois, on enduit plusieurs fois, on dessine, on peint et on trempe dans un vernis. C'est fabuleux. Alors on a beaucoup représenté la résurrection parce que c'est un objet qu'on s'offre traditionnellement à Pâques dans les pays orthodoxes. Il y a aussi des icônes du Christ. Et sur l'envers, on voit dans la glace, on a représenté des églises russes. Alors ceux-là, ils sont en bois aussi, ils sont décorés. Et le gros, c'est un œuf d'autruche. Et dessus, on a représenté la nativité du Christ. Du monastère, nous n'en verrons pas plus.
il restera nimbé de ce côté mystérieux et mystique. Voilà, notre escapade se termine ici dans la cour de ce monastère secret de Marcenat. J'espère en tout cas vous avoir donné envie de venir vous ressourcer cet été dans le Cézallier.